Plus de 800 élèves, presque statiques, répartis par classe pendant toute la récréation, et des gilets oranges sur les dos des 5 surveillants sur le qui-vive, une image inhabituelle dans un collège. Pourtant ici, c'est devenu la règle depuis lundi, une volonté du principal de l'établissement. Non, ils ne se mélangent plus, ils ont juste le droit d'aller aux toilettes, mais ne peuvent plus se déplacer librement dans la cour à la récréation de 10 heures, suite donc au mouvement de foule de la semaine dernière. Ici, depuis les vacances de la Toussaint, bagarres et attroupements se multiplient. En fait, c'est juste qu'il y a des disputes dans la cour à 10 heures le plus souvent. Et les gens s'effritent entre eux, se disputent, ça en vient aux mains et tout le monde se ramène pour regarder comme si c'était un spectacle. Bah parce que bah, des fois, ça apporte des réseaux sociaux, ils s'embrouillent sur les réseaux et après, ils règlent les comptes au collège et des fois, ça en vient aux mains. Principale mise en cause, d'après le personnel du collège, le réseau social TikTok. Alors les enseignants sensibilisent et éduquent. Sur Twitter, la rectrice de l'Académie de Nice rappelle l'importance du rôle de l'éducation nationale, mais ces restrictions divisent les parents d'élèves. Alors moi, je suis un peu contrariée. Certes, oui, il faut les punir, mais pas de cette solution-là. Pas pour, tout le monde doit payer pour les autres. Il faut à un moment donné prendre des mesures, si vous voulez, en conséquence. Mettre un peu de l'ordre dans le système scolaire. La récréation devrait retrouver son fonctionnement habituel dès demain. Mais les collégiens pourraient en être entièrement privés en cas de nouveau débordement.